La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui est le plus haut en grade et en degré, et celui qui est le plus grand en grade et en degré. Il n'a besoin de rien, il n'est de Dieu que lui. Muslim a rapporté dans son sahih l'invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait quand il s'apprêtait à dormir. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Ce qui signifie « Ô Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur du trône éminent, tu es notre Seigneur et tu es le Seigneur de toutes choses, celui qui fait pousser les graines et les noyaux, celui qui a fait descendre à Taurat, à l'Injil et à l'Qur'an. Je recherche par toi la préservation contre le mal de tous ceux qui ont un mal et qui sont sous ta domination. » Tu es Al-Awwal, celui qui n'a pas de début à son existence, rien n'est avant toi. Et tu es Al-Akhir, celui qui existe de toute éternité et qui n'a pas de fin à son existence, rien n'est après toi. Tu es Al-Zahir, celui qui domine toutes choses, rien n'est au-dessus de toi. Tu es Al-Batin, celui que les imaginations n'atteignent pas et qui sait les choses cachées, rien n'est en dessous de toi. Fais que nos dettes soient remboursées. Et accorde-nous une richesse de notre pauvreté. Et sachez aussi qu'il est parvenu dans le hadith sahih que celui qui va à son lit pour s'endormir, lorsqu'il occupe sa place, viendra à lui un ange et un diable. Le diable, le shaitan, lui dit « Termine ton éveil par un mal » et l'ange lui dit « Termine ton éveil par un bien ». S'il termine son éveil par un bien, l'ange le protège et le surveille toute la nuit. Il le protège contre le mal des djinns et autres. Terminer son éveil par un bien, cela se fait en disant par exemple « Astaghfirullah », ce qui signifie « Je demande à Allah de me pardonner ». Ou bien « La ilaha illallah », ce qui signifie « Il n'est de Dieu que Allah » ou ce qui est du même ordre parmi les paroles de bien.